les oreilles. En ce temps-là, il y a très très longtemps, les souris se réunissaient une fois par an. Elles venaient du Japon, d'Amérique, d'Italie, d'Australie. Elles venaient de partout. Elles étaient noires, elles étaient blanches, grises, vertes. Elles venaient de la ville ou de la campagne. Elles étaient toutes les bienvenues pour ce grand rassemblement mondial des souris. Mais cette année-là, elles étaient toutes très inquiètes. Elles avaient décidé de se débarrasser une fois pour toutes des chats. Mes amis, c'en est assez! Assez de ces mangeurs de chair fraîche! Criait le grand chef des souris à la tribune. Assez de ces moustachus aux dents pointues et aux griffes acérées! En bas les chats! Il faut s'en débarrasser! Nous voulons vivre en paix sans ces maudits animaux, saperlipopin! Chacun prit la parole. On discuta, on réfléchit, on rediscuta et pour finir, tout le monde se disputa. Personne n'était du même avis. Et le grand conseil mondial des souris se termina dans une pagaille gigantesque. C'est à ce moment-là qu'une vieille souris monta à la tribune et demanda le silence. Mes amis, nous sommes tous d'accord. Le chat est l'unique raison de notre colère. Il n'y a pas sur Terre d'animal aussi cruel que ce monstre à moustache. Même le lion a parfois pitié de nous, alors que le chat, avec sa patience infinie, nous surprend toujours. Il cloue au sol notre queue avec ses griffes. Il s'amuse avec nous avant de refermer ses crocs. L'horrible bête ! Ça suffit ! Le seul moyen d'y échapper, c'est de l'entendre venir, mais on ne l'entend jamais venir. Il est aussi silencieux qu'un nuage dans le ciel. Écoute, mon ami, on sait tout ça ! Cria une grosse souris du fond de la salle. Ça suffit, ces bonnes paroles ! Ça suffit ! Dis-nous ton idée, et vite ! Oui, dis-nous ton idée ! Eh bien, figure-toi que j'ai une idée qui est excellente. Il suffit d'attacher un grelot au cou du chat et le tour est joué. On l'entendra toujours arriver. Le peuple des souris applaudit à tout rompre. C'est génial, c'est génial. Un grelot, un simple grelot. Pourquoi ne pas y avoir pensé plus tôt? On vota à l'unanimité pour la proposition et tout le monde repartit chez soi, enchanté de cette décision. Le monde allait enfin changer de visage. Les chats n'ont qu'à bien se tenir. Mais alors, il y a quelque chose d'incompréhensible. Pourquoi les souris se font-elles toujours dévorer par les matous? C'est peut-être parce que les grelots sont de mauvaise qualité et qu'ils ne sonnent pas assez fort? Pas du tout! C'est simplement parce qu'il ne s'est jamais trouvé aucune souris suffisamment courageuse pour passer un grelot autour du cou des chats. C'est facile d'annoncer quelque chose de courageux. C'est une autre paire de manches de le faire pour de vrai. Alors les chats chassent toujours les souris et les croquent. C'est ainsi. Et cela n'est pas près de changer.